Là-bas, elles sont plus fraîches, tu disais, c'est ça? Et du coup, elles sont prélevables pour la genette, pour faire de la génétique dessus? Ouais. Je m'appelle Cécile Richard-Hansen et je suis chargée de recherche à la direction de la recherche et de l'appui scientifique de l'Office français de la biodiversité en Guyane depuis une trentaine d'années. Le métier de chargée de recherche, c'est très varié. Concrètement, ça consiste à faire des études sur certaines espèces ou certaines problématiques. Et on est venu à Petit Sault parce que justement, il y avait une problématique d'impact avec le développement de l'exploitation des bois. Il va y avoir des créations de routes, des créations de barrages, par exemple, ici, pour parler de Petit Sault. Donc, il y a eu un gros bouleversement écologique. Et nous, on est là pour documenter cet impact, essayer de voir quelles vont être les conséquences à court, à moyen ou à long terme, à la fois sur la faune et sur tous les écosystème. On a toute une partie des études qui peut se faire essentiellement à pied, sans faire de bruit, tout seul en forêt pour avoir une estimation de l'abondance de la faune. C'est des missions longues qui peuvent être entre une semaine, 15 jours à une époque, où on part en forêt sans aucune infrastructure. Donc il nous a pris à l'arrivée, ça c'est cool. Belle biche. Thank you. Encore la terre. Sur le tronc. Oh, trop cool. Il y a un gros travail de trouver les bonnes zones, chercher des données, poser des pièges photos, ramasser des crottes, ça dépend de la question qu'on a. Le point, il s'appelle Pépé Fun, parce que c'est là où on avait le piège photo. Où les animaux vont transporter des graines, ça va participer au fonctionnement tout entier de la forêt, donc ce côté fonctionnement de la forêt intégré avec les animaux dedans, ça fait partie de mes sujets d'étude. Alors on dirait que la forêt c'est la même partout, mais pas vraiment en fait. Les essences sont pas tout à fait les mêmes, les hauteurs de canopée, la densité des sous-bois, etc. Et nous on a montré que les grands vertébrés qui vivent dedans sont pas tout à fait dans les mêmes proportions selon qu'on est sur des forêts côtières ou sur des forêts un peu marécageuses du sud de la Guyane, etc. Par exemple, le pécari à lèvres blanches, qui est très importante pour l'écosystème, qui se balade en forêt, qui vont remuer le sol, qui vont piétiner le sol, qui vont manger des graines, qui ont un rôle vraiment très important, et qui ont une dynamique de population qui sont extrêmement variables. Mais on l'a constaté grâce à nos études à long terme. Le barrage de Petit Sault, c'est un milieu qui est constitué essentiellement d'îles qui se sont créées lors de la mise en eau du barrage. On utilise beaucoup la pirogue pour se déplacer d'une île à l'autre. On se repère avec le GPS qui nous permet de retrouver nos pièges photos et tous les endroits qu'on a échantillonnés et qu'on vient récupérer. Il y a une très forte population de loutres qui utilise le barrage. C'est une espèce emblématique et très impressionnante et qui est fortement menacée à l'échelle internationale, extrêmement impactée avec tous les problèmes de pollution d'eau. Et donc le projet qu'on a monté cherche à caractériser la population de loutres qui utilise le milieu ici et potentiellement s'il va y avoir des impacts suite à l'exploitation des bois. On va chercher des partenaires, on va chercher des financements, on va imaginer un protocole pour répondre à ces questionnements scientifiques. Et ensuite, eh ben, ces données, il faut les informatiser. Donc on a aussi des grosses phases de bureau où on va rentrer les données dans l'ordinateur. Mais j'avais l'impression qu'il venait comme ça, moi, non ? J'avais pas bien vu. Toute la famille l'autre. Il faut ensuite faire des bonnes analyses scientifiques pour pouvoir les publier dans des revues qui sont internationales parce qu'elles doivent être validées par la communauté scientifique. Il n'y a pas beaucoup de marques, c'est peut-être ça un peu, on pourra peut-être le reconnaître. Le but de notre travail, dans un premier temps, c'est de faire ces publications scientifiques. Et ensuite, on va transmettre, on va faire de la vulgarisation, c'est-à-dire qu'on va expliquer aussi au grand public, des acteurs par exemple de la conservation et de la gestion, les réserves, le parc amazonien, la DEAL, pour essayer de les aider à partir de nos résultats scientifiques à amener des mesures de gestion, de conservation qui soient adaptées au milieu guyanais.